à l'Éternel Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, notre Seigneur, notre Dieu, que son nom reste béni à jamais. Amis téléspectateurs, voici à présent notre émission qui va nous parler tout de suite de la suite de la Nativité. Pourquoi la naissance de la deuxième personne de la Sainte Trinité? C'est ce que nous allons développer. Après avoir sorti du ventre maternel, le huitième jour, le Seigneur fut circoncis. Alors qu'il n'en avait même pas besoin, parce que c'est lui dans l'homme qui dictait les lois et les préceptes et les ordonnances. Et avant son arrivée, il y avait plus de 10 000 préceptes. Pourtant, il est venu avec un petit sac au dos. Papa, qu'est-ce que vous avez dans le sac? Loi. La conformité, l'unité, l'union, ainsi de suite. C'était ce qu'il nous a ramené. Pour faire comprendre à toute la terre que le Seigneur, l'Éternel, est le seul Dieu vivant. Et c'est tout. C'est pour cela qu'il est sorti du ventre maternel, miraculeusement. C'est pour cela que la Bible a parlé d'une grande naissance. Il dit, un homme d'une naissance plus élevée. Un homme d'une grande naissance. S'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale. Pourquoi homme de grande naissance? C'est parce qu'il n'est pas sorti du ventre maternel comme tout autre. Il est sorti miraculeusement, sans laisser de traces. Par où est sorti le bébé de Jésus-Christ? Personne ne sait jusqu'à ce jour. Mais le cordon est là avec le bébé, avec ses premiers cris. C'est pour cela que les sages ont parlé d'une naissance plus élevée. Sa mission, c'est d'apprendre à toute la terre que l'Éternel Dieu est le seul Dieu vivant. Un point, un trait. Ce que nous allons voir, puisque au cours de sa mission, il parlait de cela dans Matthieu chapitre 22, à partir du verset 36. Après la question d'un scribe ou d'un pharisien. L'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Il lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Mm-hmm. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Lorsque la mission a été confiée au prophète pasteur Oshofa, on lui a dit de mettre sur place une église dans laquelle on n'adorera que Dieu seul. Parce que les gens adoraient sur la terre dans des confessions religieuses, mais après la mort, ils sont foulés aux pieds. On ne les prenait pas dans le temple. On les renvoyait. Parce qu'au jour du malin, ils tendent la main vers autre chose, ce qui n'est pas normal. Et quand Dieu n'est pas seul, c'est une mauvaise sanctification. On parle de la mauvaise sanctification. La plus grande mauvaise sanctification, quand Dieu n'est pas seul dans ta vie. Et qui va vers le noir. Quand tu adores chose ou tu tends la main à autre chose, tu es sombré. Sombré au nuage. Tu es frappé de l'obscurité. Tu es réduit à rien. Tu es effacé. Et on te coupe la langue spirituellement. C'est-à-dire, tu n'auras plus la bénédiction des lèvres. Tu ne parles que pour parler seulement. Personne ne t'entend. Parce que tu as fait quoi? Tu as trébuché. C'est ce que nous appelons la prostitution. Tu t'es prostitué avec Dieu. On ne se prostitue pas avec Dieu. C'est pour cela d'ailleurs que le Seigneur, la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui est le témoin de la création, a demandé un corps pour venir voir ses frères. Parce que lorsqu'il a formé l'homme, l'homme le ressemblait tellement. C'était ça. Et il les appelle frères. Donne-moi un corps pour que je puisse aller voir mes frères. On lui a emprunté ce corps dans le ventre de la très sainte Vierge. Et quelle est sa mission? D'enseigner aux gens d'adorer Dieu seul. Comment est-ce que vous allez laisser le Créateur pour aller rassembler du sable et embrasser la terre devant
ce qui n'a pas de soufre. Alors que c'est des choses qui sont codées. Après avoir rassemblé du sable, ils mettent d'autres petites pierres et ils codent. Et quand tu viens prier là, il a des mouvements impossibles que personne ne maîtrise. Alors que ce n'est pas des mouvements. C'est codé par les sciences obscures. C'était ça. Donc, ô Israël, le Ténèbre, ton Dieu, est l'unique Dieu. C'est pour cela qu'il est venu. Et si quelqu'un vous dit aujourd'hui que vous n'êtes pas sous la loi, celui-là, je ne sais pas. Dieu a dit, je tuerai ta maman parce que tu es un monstre. Je vais tuer celui qui t'a enfanté. Tu tomberas de jour. Le prophète avec toi tombera de jour. Celui qui prophétise le mensonge, qui parle du mensonge, tombera aussi sur toi. Et je tuerai ta maman. Celui qui t'a mis au monstre, parce qu'elle a donné naissance à un monstre à plusieurs têtes, à un estropié spirituel, à un vagabond. Vous comprenez, non? À ceux qui giflent leur papa. Est-ce un enfant ou un bâtard ou je ne sais pas. Ceux qui portent la main sur leur père. Donc c'est ce genre d'enfant qu'il a donné. Donc je tuerai ta maman. Et dans le chapitre 50, verset 1, la dernière phrase du verset 1 du chapitre 50 du livre du prophète Isaïe dit encore quoi? Et c'est à cause de vos péchés. C'est à cause de vos péchés que votre mère a été repudiée. Leur mère a été repudiée comment et de quelle façon? Quand l'enfant est bâtard, il va consulter d'autres dieux, il revient à 4 heures, à 5 heures du matin. Sa maman ne prend pas soin de demander d'où viens-tu? Ta nourriture est sur la table. Et finalement, quand cet enfant va tomber malade, puisque d'habitude, quand il y a ce genre de manifestation à la maison, les mamans tiennent les seins, ils ne commencent pas à s'y prier l'Éternel, ainsi de suite. Sa prière ne sera pas exaucée. Ta maman ne se fera pas entendre parce que tu es laissé dans le brouillon, dans le brouillet, dans la boue éclaboussante. C'est ça l'histoire de la mission du Seigneur Jésus-Christ. C'est d'apprendre aux gens de respecter le seul Dieu puissant. S'il pleut haut, s'il neige haut, s'il a la chaleur haut, s'il a le froid, s'il a la fraîcheur, même si la terre est glissante, rocailleuse, accidentée, vous marchez dessus avec soin. Et si vous tombiez, vous avez le droit de vous relever. Sinon, tu restes là. Tu comprends? Quand on tombe, on se relève, sinon tu restes là, hein, dit le français. Voilà, c'est ça l'histoire de la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Seul Dieu, un point, un trait. Celui qui dit je le connais, je le connais, je le connais, je le connais, et qui ne respecte pas ses lois, un menteur, et la vérité n'est point avec lui. 1 Jean 2, verset 3. Je le connais, je le connais. Si nous gardons ses commandements, c'est par là que nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit je le connais, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Et la vérité n'est point avec lui. Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher aussi. Et ça, c'est encore l'Ancien Testament qui parle des commandements de Dieu. Et vous nous dites aujourd'hui, nous ne sommes pas sous la loi parce que vous avez le péché. Mais c'est ça, le vagabondinage. Ils sont pleins dedans. Les chrétiens, dans la nuit bien noire, c'est pour cela qu'ils n'aiment pas qu'on parle de la loi. Jamais! La loi n'existe pas. Jésus a crucifié la loi. Alors que la personne au cours de sa mission a confirmé. Dans le verset 17-18 du chapitre 5, livre de l'évangéliste Matthieu. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Ça alors c'est quoi? C'est moi qui ai dit ça, c'est moi qui ai écrit ça là. Oui, continue. Car je vous le dis en vérité. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra point de la loi. Un seul trait de lait ne tombera de la loi. C'était ça, c'est ce que le Seigneur a dit. Je ne sais pas pourquoi mes frères se lèvent aujourd'hui. Ils prêchent d'un Dieu qui tue, ils prêchent de la loi. Est-ce que lui-même peut respecter la loi? Si quelqu'un ne respecte pas la loi, il n'ira pas au ciel.
vous ne comprenez pas. Si vous ne passez pas cette voie-là, en respectant Dieu par ses lois et par ses préceptes, vous n'irez jamais au ciel. C'est ce que Ephraim a dit à Dieu. Il dit, j'ai travaillé, j'ai de la fortune. Pourquoi me donne tant de lois? Il dit, amen, tu parles à qui? À moi, je te ferai encore vivre sous des tentes comme dans le désert. Hein, tu comprends? Le verset 9 du chapitre 12, livre d'Osée. Et Ephraim dit, il dit, à la vérité, je me suis enrichi. J'ai acquis de la fortune. Mais c'est entièrement le produit de mon travail. Vous voyez ça, ce que dit l'homme. On ne trouvera jamais chez moi aucune iniquité. Et pourquoi tu me donnes tant de lois? Mm-hmm. Et moi, je suis l'éternel, ton Dieu. Mm-hmm. Je te ferai encore habiter sous des tentes. Je vais t'enlever du septième étage et tu viendras habiter sous des tentes comme les jours de fête. J'ai parlé au prophète. Eh oui, c'est comme ça. Les gens sont vraiment arrogants. Tyr disait à Dieu. Dieu parle parce que Tyr a à sa disposition les meilleurs produits de la mer. C'était la tire, les vases en or, tout est en or, tout est en beauté, en tire. Et vu la grandeur de sa richesse, il porte la voix sur Dieu en disant à l'Éternel qu'il est aussi Dieu, des minuscules. Dieu dit, tire, tu n'es pas Dieu, tu es homme. Il dit, non, je suis Dieu, je me commande, j'ai tout à ma disposition, ne sachant pas que cela venait de l'Éternel, tout ce qu'il avait. Mais Dieu lui dit. C'est pourquoi. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi a parlé l'Éternel, le Seigneur. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Parce que tu prends ta volonté comme la volonté de Dieu. Voici. Je ferai venir contre toi des étrangers. Les plus violents d'entre les peuples. Les farouches parmi les peuples. Ils tireront l'épée contre toi. Et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la grandeur de la fosse. Et tu mourras comme ceux qui comme meurent les humains. Au milieu des mers, oui. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu. Tu seras homme ce jour-là et non Dieu. La main de celui qui te tue. Et tu seras égorgé avec le gosier transpercé. Tu mourras comme la mort des incirconcis. Merci. Il dit à Dieu qu'il est Dieu. Parce qu'il avait tout à sa disposition. Vous savez que l'argent répond à tout, non? Sauf la vie. Ils avaient tout à leur disposition. Maintenant, il dit à Dieu, je suis Dieu. Comme Lucifer, là, le premier ange, là, l'ange de lumière, qui disait à Dieu de diviser le ciel en deux ou en trois parties, qu'il va gouverner une partie. On n'a pas vu la Bible dire, comment as-tu tombé du ciel? Toi, le Léviathan, ange de lumière, on l'a précipité dans le livre d'Isaïe, chapitre 14. Il a été comment? Précipité à terre. Parce qu'il se vantait dans sa gloire, dans sa beauté, en disant qu'il est Dieu, qu'il va gouverner une partie du ciel. Alors il a été traité comme un terrain de tennis. Te voilà tombé simplement du ciel. As brillant. Fils de l'aurore. Tu as abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur. Je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée. À l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Mm-hmm. Je serai semblable au très haut. Là, c'est grave. Tu as été précipité dans le séjour de mort. Sous la septième terre. Au-dessous du septième terre. C'était ça, l'égoïste. L'égoïste des nations et de ceux qui ne respectent que la méchanceté. Quand Ephraim se levait en Israël, c'était la terreur entre les 12 tribus. Les gens avaient peur d'Ephraim. Mais quand il s'est levé en lui-même pour aller se prosterner devant Baal, pour adorer d'autres dieux, il est mort. Lorsqu'il parlait en Israël, c'était une terreur. Tout le monde avait peur parce que son épée, il fallait voir. Il se levait en Israël. Mais il s'est rendu coupable par le veau d'or. Et il est mort. C'est pas qu'il est mort enterré physiquement. Hein.
L'esprit qui le précédait, qui était sa valeur, sa grandeur, sa beauté, vous voyez, non, sa persévérance et sa résistance, cet esprit est passé à l'eau. Il s'est retrouvé comment? Seul. C'était ça. Au sujet de David, lorsque David se levait en Israël, les ennemis des enfants d'Israël, il les tuait. Il a des ennemis qui faisaient 3,20 mètres. On les appelle les Akans. David les poursuivait et les mettait en pièces. Mais quand il est tombé au sujet de la femme du riz, son gardien, cet esprit-là s'est envolé au-dessus de lui. Et c'est un enfant de 25 ans qu'il a poursuivi et il s'est dessaisi, il a pris la fuite. Alors, les enfants d'Israël, la lecture. Et dans toutes les tribus d'Israël. Dans toutes les tribus d'Israël. Tout le peuple était en contestation. Les anciens du pays étaient en contestation. Disant. Le roi nous a délivrés de la main des Philistins. C'est lui qui nous a sauvés de la main des Philistins. C'est lui qui nous a sauvés de la main des Philistins. Et maintenant, il a dû fuir devant un enfant de 25 à 26 ans. C'est honteux. Parce que la gloire qui le précédait est tombée à l'eau. La valeur qu'il était, c'est ça le résultat du péché. Et quand on parle aux gens de ne pas aller contre la loi, ils disent qu'ils sont libres de péché, qu'ils ne sont pas sous la loi. Et d'ailleurs, la loi n'existe pas. J'ai entendu dire un jour, je pense que c'est avec les Coréens, la loi est une meurtrière. La loi est sauvage. Ils injurent la loi. Ils injurent les préceptes de Dieu, les tablettes qui ont été conçues sur le mont Sinaï. Et dont la main de Dieu a fonctionné à dessiner les lois dessus. C'est le dessin. Il a dessiné quoi? Les lois. Là, le premier commandement, deuxième commandement, troisième commandement. Ce que Paul a fait, son allusion, dans Galates 6, verset 11. Galates 6, à partir du verset 11. C'était. Avec quelle grande lettre je voyez avec quel petit doigt. Je vous ai écrit de ma propre main. Merci. Donc, c'est la main de la mère du feu, la main de l'Éternel, qui a écrit toutes ces lois-là sur le mont Sinaï. Et si nous sommes contre aujourd'hui en disant que la loi n'existe pas, c'est béaba. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Merci. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Donc, l'écriture était l'écriture de Dieu. Voilà, l'écriture était l'écriture de Dieu. Bon, voilà, c'est ça, gravé sur les tables. Vous voyez ça, non? Voilà, donc c'est ça Dieu. Et si vous les mettez en pratique, vous êtes proche de Dieu. Mais si vous ne les mettez pas en pratique, vous êtes loin de Dieu. Vous voyez ce que dit l'aveugle de naissance qui a été guéri dans le verset 28, 29, 30 du chapitre 9, livre de l'évangéliste Jean. Il le jurait et dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit. Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu exauce voilà. C'est là où nous allons. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'écoute. Et c'est fini. Et Jésus dit, vous êtes mes amis. Si vous faites ma volonté à moi, vous êtes mes amis. Vous n'êtes plus comment? Serviteurs. Car l'esclave ne sait même pas ce que fait son maître. Mais aujourd'hui, vous êtes comment? Mes amis. Si vous faites ma volonté à moi, vous êtes mes amis. Si vous faites ma volonté, c'est ça? Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait même pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon père. Et qu'est-ce qu'il a appris de son père? Adorer Dieu seul. Ô Israël, l'Éternel, ton Dieu, est le seul Dieu et l'unique Dieu. Et ça s'arrête là. Avec des points d'exclamation. Vous voyez ça, non? C'est comme ça. Et ça s'arrête là. Si jamais tu te détournes de lui pour aller tendre la main à autre chose, tu deviens un monstre. Et tu seras sombré au nuage. C'était ça l'histoire. Mon peuple fait quoi? Mon peuple s'abaisse devant le bois, devant le bâton, et il pose des questions au bâton. Le bâton peut prophétiser? Osée, chapitre 4, verset 12. Mon peuple consulte son voix. Vous avez des injures? C'est ce que dit l'Éternel. Et
aux humains, à ceux qui ont perdu le sens et qui vont consulter d'autres dieux qui n'existent pas, en passant par Manaville, descendre au Niger, parce qu'ils ont un peu d'argent. Et l'argent qu'ils ont là, c'est nous qui avons prié pour qu'ils aient ces marchés, ainsi de suite. Et quand il y a des millions, il faut aller maintenant au Niger, consulter les marabouts, en déposant 6 millions, même 10 millions, ainsi de suite. Alors que l'Église est ici, il manque des instruments ici, on ne peut pas payer ces instruments, on va donner gloire à Vaudou, parce que quand on passe par là-bas, c'est plus rapide. Mon peuple consulte quoi? Son bois. Et c'est son bâton qui lui parle. C'est malheureux. Car l'esprit de prostitution égare. Voilà. L'esprit de quoi? De prostitution égare. Et ils se prostituent loin de leur Dieu. Ils se prostituent loin de leur Dieu. Ils sacrifient sur le sommet des montagnes. Ils brûlent de l'encens à ce qui n'est point Dieu. Sous les chênes, les peupliers, les térébènes, l'ombrage est agréable. Voilà. C'est pourquoi vos filles se prostituent. Ils naîtront de toi des prostituées. Et vos belles-filles sont adultères. Et vos belles-filles vont commettre l'adultère. Je ne punirai pas vos filles. Dans le verset 14, il dit, je ne punirai pas vos filles. Parce qu'elles se prostituent. Ni vos belles-filles parce qu'elles sont adultères. Car eux-mêmes vont à l'écart. Car eux-mêmes vont traverser Manaville pour aller chercher la main du charlatan là-bas. Les enfants seront des prostituées. Et les filles, c'est-à-dire la femme de leur garçon, de leur fils, se prostitueront. Parce que toi aussi, tu as déjà prostitué. La Bible parle beaucoup, mais les gens refusent de comprendre et de revenir à la normale. C'est ça l'histoire. Ils sont parmi nous, mais ceux-là ne sont pas de nous. Non, c'est des esclaves spirituels. Ils sont comment ? Parmi nous, mais ils ne sont pas de nous. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés fermes sur cette décision d'adorer Dieu seul. Mais cela est arrivé. Afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. C'est pour cela que vous les voyez chez les charlatans. Il y a même des francs-maçons parmi nous aujourd'hui, parmi les grands devanciers. Et les roseaux chrétiens, comment vous les appelez ? La rose croix. Ça, c'est quoi ça, par exemple? Tu ne peux jamais cacher ça. Si tu te lèves, que les sacrificateurs te regardent. Et il fallait voir, ils ont la vision de la chose tout de suite. Franc-maçon, qu'est-ce que nous avons à faire avec franc-maçon? Rose-croix, qu'est-ce que nous avons à faire avec Rose-croix? Le vaudou, qu'est-ce que nous avons à faire avec le vaudou? Donc, ils ne sont pas de nous. C'est des visiteurs. 1 Jean 2, verset 19. Ils sont sortis du milieu. Oui, c'est ça que tu viens de lire. J'ai donné le verset, ainsi de suite. Non, c'est des choses comme ça. Et tu dois aimer ton prochain. Ce n'est pas les rien que nous voyons sur la terre. Là. Si quelqu'un n'aime pas, il est frappé de l'obscurité jusqu'au séjour de mort. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui haït son frère, qui juge mal son frère, qui va chercher des injures au marché, et prononcer sur son frère, que mon frère si, mon frère est ça, alors que le frère n'a jamais été ça, pour le faire reculer, qu'il retourne en arrière, pour qu'il puisse se diviser, partager, ajuster, peser, et distribuer. L'autre n'a qu'à rester à l'écart là-bas. Ils ne sont pas de nous. Non, c'est des visiteurs. Ils font semblant d'être avec nous, mais en réalité, ils ne sont pas de nous. C'est des bâtards. Et c'est ce que disent les Écritures. C'est pour cela que le Seigneur disait, il a eu des menaces, non. Il disait au cours de sa mission que le royaume des cieux est semblable à un filet qui est jeté au fin fond de la mer. Alors, ce filet a pris beaucoup de poissons, de diverses sortes de poissons. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer. Oui. Et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent. Et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon. Et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Ils les jetteront dans la fournaise ardente. Voilà Jésus qui parle de fournaise ardente. Jésus dont tu dis qu'il est, il est ton avocat. Il a effacé la loi, n'existe pas. Pourquoi il parle des méchants? Pour être méchant, il faut d'abord offenser la loi. Pour être méchant, oui ou non? Si vous êtes sage, vous m'écoutez, non? Bon, le péché vient d'où? Le péché?
C'est à force de craser une petite loi, tu commets un péché, c'est ça, non? Donc si la loi n'existe pas, le péché même n'existe pas. Mais le Seigneur même qui parle déjà de la gêne, que les bons seront de l'autre côté, les mauvais seront jetés dans le feu ardent, dans la gêne, qu'on appelle Gehina. Mais c'est ça. Bon, si le Seigneur même parle de la gêne, qu'est-ce que vous attendez encore? Dans le verset 27 du chapitre 19 du livre de Luc, vous voyez ce qu'il dit? Au niveau des talents, au reste. Amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuer là ma présence. Le Seigneur qui parle de la tuerie. Et ça, c'est quoi ça, par exemple? Tu dors avec ta Bible. Tu cueilles. Apprenez à prêcher. Venez, je vais vous apprendre comment on prêche. Je suis là, je vous attends. Qu'est-ce que vous attendez? Venez, je vais vous montrer le chemin. J'ai été enfanté simplement pour ça. Et ça s'arrête là. Vous pensez que cela vient de moi? Non. Cela vient de celui qui m'a envoyé en mission. Moi, je suis missionnaire, qu'est-ce que tu croyais? C'est pour cela que j'appuie sur ce qui est dit spirituellement. C'était ça. Et si nous parlons sans renforcer ce dit avec les versets bibliques, ne croyez pas, qu'est-ce que vous voulez? Que je transporte la main ennuyée avant que vous ne croyez, c'est ça, c'est vrai? Tu ne verras jamais ça. C'était ça. Crois seulement. Il fallait croire. Il y a du regret. Il fallait faire quoi? Croire. Ça n'a pas son sens ici. Il faut croire. Il fallait. Donc tu as déjà subi un sort. Un mauvais sort. Donc, il faut croire. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez jamais votre cœur. Comme lors de la révolte dans le désert, où vos pères me tentèrent et ils virent mes miracles. C'est pourquoi. Selon ce qu'il est écrit dans le livre d'Hébreux, si vous entendez aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes miracles. Ils ont vu quelle œuvre pendant 40 ans. Vous avez parlé tout de la nuit. Bon, s'ils déposent le tabernacle, d'accord, qui a été dicté, formé par Moïse dans le désert, si la nuée vient s'installer au-dessus du tabernacle, si cette nuée ne se lève pas, les enfants d'Israël ne bougent pas. Alors que ceux qui ont inspecté le pays, ils ont fait 40 jours aller-retour pour inspecter le pays. Donc Israël avait 40 jours pour tomber sur la terre promise. Mais comme ils ont eu du mal à partir parce que il a eu de mauvaises nouvelles, ceux qui sont allés explorer la terre. Il y a quelques-uns parmi eux qui ont dit qu'ils ont trouvé les Akans là-bas, les hommes qui sont à 3,20 m de taille avec 6 doigts de chaque côté. Ils vont nous tuer, tuer nos brebis, tuer nos familles. Bon, à partir de là, le peuple a refusé de marcher. Alors que Dieu dit, marchez contre, je les livrerai entre vos mains. Ils n'ont pas écouté. Et lorsqu'ils ont mis du temps pour comprendre et ont voulu aller, Dieu a dit, je ne suis plus là. Si vous allez là-bas, ils vont vous tuer. Donc, un jour pour un an, pendant 40 jours, donc ça fait 40 ans, finissez-le. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. 40 années. Une année pour chaque jour. Ah, en évonien. Et vous saurez Et vous me dites que Dieu ne frappe pas, il ne frappe pas là. Quelle miséricorde! La miséricorde se situe à un niveau donné. Il faut travailler pour y arriver. On travaille, on gravit, on monte les pattes d'escalier pour arriver au niveau miséricorde, au niveau de la miséricorde. C'était, tu n'as rien fait, tu ne fais rien. Tu dis miséricorde, la grâce où? La grâce se situe à un niveau donné. Il faut travailler pour y arriver. C'est les prophètes. Donc quand il tombe, on le relève. Quand il tombe, on le relève. Mais toi qui n'as rien fait, si tu tombes, tu restes là. Les gens prêchent mal, hein. Checker. Mais c'est qu'ils iront en enfer. Si vous prêchez mal, c'est l'enfer, direct. Vous ne comprenez pas? Changez rapidement de comportement. Et si vous ne comprenez pas, posez-nous des questions, sinon venez vers nous, nous allons vous montrer le chemin. Nous ne sommes pas sous la loi. La loi n'existe pas. Est-ce qu'on peut faire face au peuple de Dieu en disant qu'il va mourir, qu'il a la mort? Ouais, ça, non. Des bébés.
des nourrissons. Est-ce qu'on peut donner la nourriture à un enfant de 2 jours? On peut donner de la pâte bien mêlée avec le gruyant à un bébé de 2 jours? L'enfant allait vomir. C'est leur sauce des bébés. Vous voyez ça, non? C'est des prédications qui n'ont aucune importance. Ce que nous donnons au peuple de Dieu, c'est une prédication révélatrice. C'est mêlé à la vision et à la prophétie. Et c'est ça? Avec des tonnes de versets bibliques. Donc, on ne conteste pas comme ça. Il faut d'abord consulter, s'approcher, poser des questions. Je pense qu'à partir de là, ça ira bien. Que l'Éternel Dieu bénisse, qu'il nous tire de la boue, de Borobier, et qu'il nous lave de notre boue, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quel beau nom. Un nom qui redonne vie à tout ce qui est mort. Voilà, amis téléspectateurs, vous êtes libres de réagir. Car si vous nous suivez, hein, nous sommes là pour quelques minutes pour répondre à vos préoccupations. Alléluia. Quel beau nom. Un nom qui redonne vie à tout ce qui est mort. Nous sommes à la fin de cette émission, beaucoup attendu, on est resté longtemps pour voir votre réaction, vous n'avez pas à réagir, ça fait à la prochaine, bye bye, que Dieu bénisse, alléluia. Merci. C'est du beurre, salut.